feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn petty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke Benny. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en direct de l'espace VIP de l'Open de Rennes et toujours en live sur les chaînes YouTube de l'Instant Tennis de Pierre ainsi que la page Facebook de l'Open de Rennes. On a aussi aujourd'hui, cet après-midi, deux invités de prestige, plus connus pour le foot mais également des grands passionnés de tennis. Donc Pierre, tu vas nous les présenter. Bah, écoute, salut à toutes et à tous déjà, puis merci de nous suivre sur la chaîne YouTube de l'Instant Tennis, comme tu l'as très bien dit, et également sur la page Facebook de l'Open Blue Rennes. Et on a le plaisir, effectivement, de recevoir Daniel Riolo. Bonjour Daniel. Salut. Bonjour Daniel, enchanté de te recevoir. Notre invité n'est pas là. Ouais, il arrive. Il a fait une annonce là. C'est... On a, alors, c'est, on a, c'est on a normalement un deuxième invité mystère. Salut mec. Ouais, c'est vous. Là. Alors, un invité qui est invisible. Très très connu des Rennais, que tout le monde connaît. Et qui est là tous les ans de toute façon. En même temps, parfois sur le terrain, il était un peu invisible aussi. Il l'a dit. Moi, je ne me prononcerai non, pas. C'est vraiment fait exprès. C'est juste pour la blague. Tout à fait. Mais il est en train de regarder la fin du match, de voir le tie-break et il devrait nous rejoindre d'ici peu. Si tout se passe bien. Très bien, très bien. Alors. Et vous ne dites pas son nom, c'est secret. Pour l'instant, je regardais s'il était annoncé. Est-ce qu'on l'annonce ? Daniel, je te laisse l'annoncer si tu veux. C'était ton partenaire, il me semble. À la pétanque ? À la pétanque. Non, j'ai pas joué avec lui à la pétanque. Ah d'accord. J'ai joué avec un monsieur qui s'appelait Philippe, qui paraît-il était très bon, mais en fait il était pas si bon que ça. On sent perdu. Une légère amertume. Ah, on me l'a présenté comme un crack, genre tu vas aller en finale avec lui, c'est moi qui fais les points. Ah, et pourtant je suis nul. Hein. Moi ça m'arrive tous les jours avec mon collègue Thomas du Romain Danzé. En fait, je sais pas ce qu'il a fait, je crois qu'il a perdu assez vite également à la pétanque. Ah ouais. Et là il regarde le tennis et voilà. Et il laisse son siège vide. Il devait être là, légende de Rennes. C'est pour la surprise en fait. La surprise est légèrement gâchée. C'est pas grave. Ah, c'est une surprise, pardon, en fait. C'est pas grave. Non, mais il devrait nous rejoindre incessamment sous peu. On attend. Quel est le plus grand joueur de l'histoire de Rennes pour toi? Le plus grand joueur de l'équipe. D'après, pour moi, pour mon père, c'est Laurent Pocou. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ça, c'est autre chose. Ça, voilà. J'ai demandé pour toi, je veux pour ton papa. Ton top 3. Dans mon top 3, je crois que, à l'instar de Griezmann qui mérite sa place en équipe de France, je crois que Benjamin Bourigeaud a largement mérité sa place dans le top 3, de l'histoire rennaise. Toi? Ah, il n'est pas supporter rennais, lui. Il n'est même pas rennais. Je suis PSG, moi. Ah d'accord, je croyais qu'il allait dire c'est Nantes, parce qu'on sortait direct, non? Ah non, jamais. Ouais, c'est, ouais. Par contre, c'est suspect ce jaune et vert là sur son micro, c'est un peu suspect. Ça devait être changé d'ailleurs. Ça devait être changé. Là, effectivement. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Bon. Non, moi j'aurais mis qui? J'aurais mis, moi il y a Kamavinga dont je suis très fan. Ah, Kamavinga, il n'a pas été assez longtemps. Alors voilà, on revient sur les débats de l'after. Vous n'avez pas des vraies légendes ou quoi là? On revient sur les débats de l'after. Moi j'avais, sinon, il y a beaucoup de joueurs qui sont... Ah, le problème de Rennes, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas restés longtemps. Ah donc vous n'avez pas de légendes alors? Si, on a beaucoup de légendes. C'est du propre ça. On a énormément de légendes, on a Alexander Frey, on a Olivier Monterrubio, on a un mur des légendes. Un beau mur des légendes, je ne sais pas si tu as vu devant le Roizen Park, si tu as eu l'occasion d'y passer. Ouais. Ça n'a pas l'air de t'avoir ravi. Il n'y a pas de mec resté assez. Le problème de Rennes, c'est que nos joueurs partent assez rapidement. On a quand même des. Pareil pour Dembélé, c'est la même chose. Après, on a des joueurs. On a des Chabani Nonda, on a des. Je ne sais plus qui j'avais mis dans mon 11 de légende. On a eu de très bons joueurs. On a quand même de très bons joueurs. Ok, passons. Il m'a piégé. Alors, si on parlait un peu tennis, du coup, on va profiter d'avoir notre spécialiste tennis. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là? Aujourd'hui, il n'y a eu que deux matchs de simple qui ont été joués.
Radu Albot s'est imposé en deux manches. Il a duré trop longtemps ce match. Hein ? Face à un bon Lucas Poulain. Ouais. Grosse différence de classement entre les deux joueurs. Albot, il a été quand même 39e. Il est encore jeune, hein. Poulain. C'est, oui, il est jeune. Non, mais, Albot, c'est le Moldave, c'est ça, hein ? Ouais, c'est le ça, joueur Moldave. Ouais. C'est Moldave, et voilà, bah, après... Albot, il est pas roumain. Moldave. Non, Moldave. Ouais. Moldave, ouais. Moldave, ouais. Moldave, ouais. Et en fait, il a, il a sauvé plein de balles de Loulorec au deuxième. Donc, c'était super accroché. Mmh. Et ouais, comme d'habitude, hein, ce genre de match, ça se joue sur 2-3 points. Lucas qui fait pas le bon choix, mais c'est du micro-détail. Hein. Donc, on aurait bien aimé avoir un troisième set. En tout cas, c'était très accroché. Ah, The Legend is coming. Je crois qu'il y a... Voilà, on peut accueillir l'invité presque mystère. Voilà. Bonsoir, Romain. Le fauteuil était libre. Bienvenue. Voilà. J'étais en tribune. Oui, oui, c'est ce qu'on nous a dit, bien sûr. Tu as assisté, donc on était en train de débriefer. Tu vas pouvoir nous en parler justement de la défaite de Poulain, justement. Ah non, là j'étais sur le tie-break. Autant pour moi. Ouais, je parlais du Martino Escoffier. Autant pour moi. Ouais. Non, Pierre, tie-break continue. Très serré, en tout cas, mais un match qui va durer parce que Escoffier recolle à un set partout. Donc, Ah, il a égalisé, d'accord. Voilà. Super. Ah, mais je crois que c'était les bad... Ah, d'accord, il a égalisé un set partout. Je pensais qu'il avait fini le match. Ah, non, il y a un troisième set qui va. Ouais, ouais. Retard, la journée va être à rallonge. Le match du jour. Ah, non, on a déjà eu le cas mardi soir où les matchs ont duré. Ça a duré plus longtemps, ouais, effectivement. Le match du jour, on n'est pas prêt de le voir alors. Non. Ah non, parce que Pouille était prévu à 17h. Le match du jour, Moutet. Voilà. Contre Crécy, ouais. Exactement. Ça va être sympa, ouais. Opposition de style. Ça va être sympa, ouais. Le match de tout à l'heure, ouais. Ouais. Je te laisse en parler, t'en parleras mieux que moi. Ouais, c'était prévu à 19h, mais bon, là, ça va être beaucoup plus tard parce qu'il faut finir ce match-là. Et après, il y a Lucas Pouille qui joue, du coup. Donc, Ah oui, effectivement. Ouais. On est sur un 21h, du coup. Ouais, bah, pile pendant le match de rugby. Donc, Ah, j'ai peur que les tribunes soient désertes. Ouais. Surtout que là, il y a l'écran géant au village, du coup, le match sera retransmis. Et c'est ouvert au public en plus. Hein, donc, L'espace est ouvert au public pour la diffusion du rugby ? Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Très bien. Bah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre du coup sur l'espace extérieur pour regarder le match de rugby avec nous ce soir. Et donc voilà, donc on a débriefé le premier match et le match en cours, un set partout, voilà, très accroché entre Matteo Martino qui est plus de 300e au classement, qui a une grosse différence aussi avec son adversaire, mais les marges sont infimes à ce niveau-là de toute façon. Ouais, et puis il vient de rater, il a eu trois occasions de finir le match, trois balles de match. Ah, il les a ratés, il y a quand même eu des balles de match. Ouais, il menait 6-3 au tie-break. 3 balles de match tout à l'heure, hein, Pierre, tu nous as annoncé 3 balles de match. Ouais. 3 balles de match, il mène 6-3 au tie-break, il finit pas. Ouais. Oh, faiblard le gars quand même. Oh. Ça me rappelle quelqu'un à la pétanque. Ouais, c'est dans la tête. Hein. C'est dur. Hein. Mentalement, c'est. 3 balles de match, il gâche, il perd. Oh, il va pas s'en remettre, il va perdre le match. C'est là où on va voir justement s'il est costaud, solide. Ah ouais, il va pas être costaud parce qu'il a déjà montré qu'il était fébrile. Et puis surtout, il sort des qualifs. Donc, à mon avis, les matchs à rallonge comme ça, plus. Physiquement, il va peut-être pêcher. Voilà, c'est en troisième, il met deux jeux, pas plus. Rendez-vous dans 20 minutes. Ça. Le problème, c'est que Daniel a souvent raison. Ouais, malheureusement, Daniel a souvent raison. C'est ça. Ça va être dur. En tout cas, c'est un beau match. C'est un beau match à suivre. Il y a des gros échanges, gros rallyes. Et puis je trouve qu'il y a eu des montées au filet, donc c'était assez agréable. Moi, j'ai bien Et puis Martino est un peu un local de l'étape. Il a un gros fan club là dans les tribunes. Il y a pas mal d'ambiance en tout cas dans la salle. C'est sympa. C'est sympa. Il a un beau revers à une main aussi. En plus, exactement. Exactement. Très bien. D'accord, Pierre. Donc voilà, c'était le match. Tu nous parlais par contre de Albo Poulain. On revient sur Albo Poulain peut-être. Écoute, ouais, comme. Il n'est pas tout dit dessus déjà. Si j'avais tout dit. Je pensais que t'avais encore des choses à dire. Je crois pas, non. Ah bah non, il n'y avait rien à dire alors. s'il n'y a rien à dire, on peut vous laisser. Allez, à tout le monde. Merci, au revoir. Non, t'avais fini là-dessus. À part si. T'aimes bien le poulain, sinon tu préfères le Nesquik ou. Je suis plus. Avec un petit peu de beurre, une tartine de pain beurre. Ah, d'accord. Bah du coup, Pierre, on va faire d'autres sur Poulain. Un jour, il deviendra grand et talon. Espérons, c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et voilà. Sinon, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre sur Poulain. Ah, tu cherches du jeu de mots comme ça. On a tout fait, je pense. J'avais pas préparé. On est sur un gros début d'émission. Là, c'est bien, là. Okay. Mais alors, du coup, malheureusement, on va se séparer de toi, Pierre. Si t'as plus de match à débriefer, tu vas pouvoir laisser ta place. Je vais laisser la place à Thomas. À Thomas. Thomas. Qui attend. Thomas, il va débriefer quoi, à la pétanque. Thomas, il est un spécialiste de barbecue. Ah, d'accord, très bien. Non, il va pouvoir. On va passer au petit quiz.
C'est le Sylvain Armand de l'émission, voilà. Thomas, du coup, merci beaucoup. Vous êtes au courant des compétences extraordinaires de Sylvain Armand en matière de barbecue ? On est tous au courant. On n'a pas attendu d'écouter l'after pour savoir ça. Tu savais, Romain, pour les barbecues de Sylvain Armand ? J'étais au premier loge, moi, tu sais bien, Daniel. Si Romain ne le sait pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Je savais d'où, mais je ne savais pas trop sur quel genre de viande il travaille. Multitâche. Ah oui, il envoie tout. 70 centilitres à peu près. Dans un vestiaire de foot, t'es obligé d'avoir tout type de viande. C'est obligatoire. Ah d'accord. Moi, il m'a jamais invité. Moi, on m'a raconté qu'il faisait des barbecues légendaires. Ah, même à Paris, il t'a jamais invité, Daniel. Non, il faisait à Paris et tout. À un moment, en plus, à la fin de sa carrière, à Paris, il faisait plus que ça. Hein. Oui. C'était son boulot. C'est ce qui était noté sur le contrat de travail, je crois. Alors, un super gars, quand même. Ouais, on l'adore, Sylvain. Ah bah oui, vraiment Sylvain. Un super gars. Il est à Lille maintenant, je ne sais pas s'il continue à en faire des barbecues. Ah, je ne sais pas, à Lille avec. Peut-être qu'il en fait pour l'étang chez lui. Ouais, on va demander à notre ami M. l'étang. Voilà, c'est ça. Donc, non, on a fait monter Thomas, pas pour ses analyses, mais plutôt pour le. Ah, il y a un quiz. Un petit quiz à la volée. Ah, ouais, déjà, on voit le quiz à la volée. Je pensais que tu allais me présenter plutôt comme l'Ole Gunnar Solskjaer de l'émission. Voilà, c'est trop compliqué à dire, j'avais peur de. Ah, oui, alors là, il va falloir vraiment que tu sois bon. Bien sûr. Tu doutes, Daniel ? Solskjaer, il est rentré. Quand il est rentré. Mais on voit que tu n'as pas regardé assez le RTS, sinon tu serais déjà convaincu, Daniel. Non, j'ai une petite interview, on appelle ça l'interview à la volée. Je vais te donner des questions. Tu auras deux ou trois réponses possibles. Tu me dis ce que tu préfères. Tu n'es pas obligé de développer. Bon, c'est un tu préfères, en gros. Voilà, exactement. Ouais, présente-le comme ça ira plus vite. Allez. Tu préfères. Alors, tu es plutôt revers ou coup droit ? J'ai un meilleur coup droit que revers, ouais. Très bien. Plutôt Grand Chelem ou Coupe Davis ? Grand Chelem. Plutôt Henri Lecomte, qu'on a eu en début de semaine ici, ou Guy Forget ? Lecomte. J'en ai une assez piège, plutôt Gilbert Bribois ou Jérôme Thomas ? Ah. Tu es à Rennes, Daniel. Ouais, il est à domicile, là. Il y en a un qui est à domicile. Je vais le faire par ordre d'apparition à l'écran dans ma vie, Gilbert. Gilbert, bien sûr. Jérôme, tu sais qu'il est là depuis le début. Hein. Et Jérôme, moi, je le connaissais même avant qu'on fasse l'after. Hein. D'accord. Parce que Jérôme, quand il démarre et quand je le connais, il fait homme de terrain sur la Ligue 2. Ah oui ? Eh ouais, quelques matchs pour ma chaîne sport. Je lui dis toujours, le jour où quelqu'un va remettre la main sur ses images... Ah, on a des gens assez doués en régie. Pense, honnêtement, vous éclatez un bêtisier. Hein. Carrément. Ah ouais. Jérôme Thomas à l'antenne. Bon, bah défi. C'est pour ça que très vite, il a fait autre chose que de l'antenne. Il a fait la coulisse dans un rôle très important. C'est-à-dire, en homme de terrain, oh là là, il a fait 3-4 matchs au début. Il a fait un festival. Hein. Il nous a fait je me trompe de joueur sur le banc. Ouais, la base. Romain Danzé, donc. Bon alors, Amari, bizarrement, il a fait ça. Hein, ah oui, ah, il l'a fait. Moi, j'étais là-haut et tout. Donc ça, il l'a fait. Il a fait l'interview du président à la mi-temps où il se met à bafouiller, il ne sait plus ce qu'il doit dire. Où il n'y a plus un mot, il est là à côté. Bon alors, président, il n'y a plus rien. Il y a un blanc, il n'y a plus rien. Ah oui, il était fort. Il m'en a jamais parlé. Si on retrouve ces images-là, c'est vrai qu'ils s'en vantent pas. Non, mais il ne peut pas s'en vanter. Vraiment, il peut pas. Ça doit se retrouver. On a entendu à l'after tes premiers commentaires, toi, par contre. Moi, c'est connu. C'est connu. Toi, c'est connu. Il y a les preuves. On a eu les preuves. On a tous démarré. On a fini. Daniel, je continue. Plutôt Djoko, Nadal ou Federer ? Nadal. Plutôt terre battue, gazon ou dur ? Ah, plus jeune, c'était dur. Bah, gazon, je ne connais pas, à part les gazons synthétiques, je pense que je n'ai jamais joué sur vrai gazon. Plus jeune, c'était dur, je n'aimais pas du tout la terre. Et puis mon club, depuis plus de 10 ans maintenant, c'est de la terre. Donc je m'y suis fait, donc maintenant c'est terre. Tu prends plaisir maintenant sur la terre battue. Plutôt soirée gaming avec Gaël Monfils ou soirée apéro avec Benoît Paire ? Bon. Oh, c'est un peu ni l'un ni l'autre. Moi, je ne suis pas hyper apéro, je ne bois pas beaucoup. Et gaming, je suis un peu nul. Quoi. À un moment, je m'étais mis à FIFA. Là. Ça peut être Football Manager, hein, Daniel, aussi. Ouais, bah, plus ça. Quoi. Ah, ouais. Très enfin, bien. Président du PSG. Tu pourrais être président du PSG comme ça. On le prend. Alors, attention, ça va dépendre de comment tu vas sortir, là, Daniel, ta réponse. Plutôt FC Nantes ou Stade Rennais ? Là, fais gaffe. Ah, mais Stade Rennais. Il ne peut pas y avoir photo. Quoi. Actuellement, il n'y a pas photo, de toute façon. Non. Plutôt Thomas ou plutôt David ? Non, c'est vrai, mais juste visuellement. Qu'est-ce que c'est que ces questions ?
Attention, la dernière est très piège. Plutôt Romain Danzé ou Bernard Mendy? Oh putain, là c'est dur hein, parce que les... Parce que Bernard, là, c'est une légende. Hein, c'est lourd, j'ai pas choisi au hasard, Daniel. Ah, là, c'est mon club, c'est une légende. Romain, il m'en veut pas, quoi. Je pense qu'il t'en voudra pas. Non, il peut pas m'en vouloir, parce que le PSG, c'est, pour moi, c'est quand même mon club. Quoi. C'est bien, bravo, Daniel. Et Narbé, c'est quand même Narbé, quoi. Ah, bah, bien sûr. Figure. Ouais. En plus, il joue au poker, Bernard. Ah, bon, on aurait dû l'inviter ce soir. Ouais, genre de poker, ouais. Donc, toi, tu vas jouer au poker tout à l'heure, d'ailleurs? Je crois qu'il y a un tournoi de prévu. D'accord. Voilà, parce que oui, voilà. Toi, c'est le foot, le poker. Alors, le tennis, on sait que t'es Non, mais classe. C'est bon, t'as fait le tour. Hein. Ouais, c'est bon, t'es parti sur le paddle. J'allais dire, grands gestes et le tout. Le paddle. Il y a foot, il y a tennis, il y a poker. Pas puis pas après, pas tu peux arrêter les grands gestes. Il y a la gastronomie. Ouais, bien sûr. Ah oui, alors, d'abord, vraiment, il faut que je refuse de dîner. Là, parce que j'imagine qu'on va avoir un dîner un peu élaboré, machin. Je veux trouver le stand de crêpes. Ah bah, bien sûr. Alors, il faut pas qu'on m'emmerde là. Moi, je suis venu à Rennes. Je veux une galette saucisse quelque part. Ah oui, la galette saucisse. J'avais galette saucisse plutôt ça, ketchup ou moutarde. Ah non, ketchup, ça va dans la galette saucisse. Ketchup ou moutarde, ça peut. Ou les deux. Hein. Il y en a qui mettent les deux. Mais dans le stade, là, il va y avoir ça quand même, non? Dans le village, là, c'est. Là, dans le village, y a pas. Il y en a pas. Il y en avait l'année dernière. Il y a nulle part. Il y a pas là. J'ai vu des camions là, à côté de terrain de pétanque là. Il y a des camions de galettes quand même dans le village. Ah ouais, attention, je repars pas. C'est au minimum une crêpe quoi. Bon bah ceux qui nous regardent. Samedi, tu restes jusqu'à samedi. On t'invite au match. Demain soir, je suis au Parc des Princes. Il y a PSG Nice. Non mais ceux qui nous regardent là en direct, s'il y a pas, faites une petite crêpe, vous nous ramenez ça au Liberté. Non mais là, il y a des stands dehors. Bien sûr. On va trouver. C'est route de l'Orient. Ça nous inquiète pas. Bravo Daniel, bonne réponse. Merci. Bravo. Sinon, il y a des super burgers à 100 mètres. Non, je veux pas de burger, j'ai une galette saucisse ou une crêpe. La République, à peu près. Ouais, bah non, galette saucisse, désolé, on aurait pu prévoir ça. Il aurait fallu prévoir ça. Ouais. Depuis tant que j'en entends parler. Ouais. Et ça vaut vraiment le coup, t'as déjà goûté des galettes saucisses quand même. Des très très bonnes, non. Moi, je voudrais le top de la galette saucisse. Et bah, mais pourtant, on était au bon endroit. Il faut venir samedi sur les abords de la route de l'Orient, au bord du Roizen Park. L'invitation est lancée, Romain. L'invitation, voilà. Ouais. Daniel est toujours bienvenu. On te mâche le travail, Romain. Je crois qu'il y a un Rennes PSG bientôt, hein, il me semble. Ouais. Ouais, ça va être dur pour vous encore. Peu importe. De toute façon, moi, dans l'exercice de mes fonctions, je ne suis pas supporter. C'est vrai. Donc, si Rennes fait un bon match et gagne, j'ai aucun souci. Surtout si avant, je mange une galette saucisse. Voilà. Et bah, ça sera avec plaisir à ce moment-là de te recevoir. Carrément. Donc, et Padol, je disais oui. Non, Padol, t'es pas Padol. Non. Ah non, je pensais autant pour moi. Non, c'est pas. Il a encore la forme, Daniel, il joue au tennis. C'est pas uniquement pour les vieux le paddle, voilà, pour ceux qui peuvent pas bouger, joueurs de plus de genoux, plus de bras. Ou les joueurs de foot. Alors je crois qu'il y a Arnaud Di Pasquale qui est pas trop loin, faut pas lui dire ah, ça. Ah oui, pardon, Arnaud, excuse-moi. Donc je retire. Non, je sais pas, non. Daniel va réussir à se faire des ennemis. Oh, t'as la capacité de te faire des ennemis super rapide. Bon, je lui tends la perche là aussi. Hein. C'est un peu de ma faute, je suis désolé, Daniel. C'est un bon client. Voilà. Je fais des questions pièges aussi, je suis vraiment incorrigible. Il finit le quiz. Mais c'est parce qu'il n'a pas voulu répondre entre Thomas et David. Je suis très déçu, Daniel. Je suis très déçu. D'autres questions, Thomas. Ouais, c'est bon. Au niveau du quiz, c'est fini. Terminé. À Romain maintenant. À Romain. Est-ce qu'on peut faire le quiz pour Romain, qui est déjà passé. Mais oui, à Romain, il y a deux ans, je crois. Romain, il l'a déjà fait il y a deux ans. Oui, c'est vrai. Il me semble. Là, oui. Exactement. Ouais. On va rediffuser les réponses de Romain de l'année dernière. On peut le comparer avec Daniel. Tu veux qu'on refasse? Allez, vas-y. On peut faire ça. Allez, vas-y. Donc Romain, revers ou coup droit? Coup droit. Grand Chelem ou Coupe Davis? Ah, j'aime bien la Coupe Davis quand même. Ouais. Henri Lecomte ou Guy Fanget? Henri Lecomte. Il a la cote. Hein. Il a la cote, Henri quand même. Ouais. Henri, super sympa en plus, Henri. Ah oui, adorable, bien sûr. Plutôt Djoko, Nadal ou Federer? Ah, j'ai un petit fait pour Federer, moi. Ouais. L'élégance, la classe. Plutôt terre battue, gazon ou dur? Terre battue. La terre battue. Plutôt soirée gaming avec mon fils ou soirée apéro avec Benoît Paire? Soirée barbecue avec Sylvain Armand. Barbecue avec Sylvain Armand. On valide celle-là, tu n'as pas le choix. Je te pose pas le plutôt FC Nantes ou SRFC. Romain. Oui, ça sert à rien. Et Romain, plutôt Thomas, avec qui tu as commenté les finales de Coupe de Bretagne. C'est vrai. Je rappelle. Ou plutôt David, avec qui ne t'a pas mis dans le 11 de légende. Avec qui tu n'as rien commenté et qui, lui, ne t'a pas mis dans le 11 de légende. J'ai plus d'affinité avec toi. Forcément, Thomas. Comment vous avez fait pour ne pas le mettre? Moi, je l'ai mis. On avait parlé, je suis le seul à ne pas l'avoir mis. De Rennes, vous ne mettez pas Romain? Qui tu l'avais mis? Eh ben, je ne sais plus. Je disais. David Sommeil. Non, je ne sais plus.
David Sauvage. Mais si j'avais pas mis Melchiot, un truc comme ça, mais quoi il y avait pas. Oh je ne sais plus. Oh je ne sais plus. Bon, allez. Non, non. Autant, on en avait mais déjà pas dans les critères Melchiot, un an chez nous. Après, ça dépend. Faut que j'éteigne le micro avant de partir. sur l'histoire, sur le personnage dans le club et tout, bien sûr que Romain est largement devant. Ah ouais, mais même, qu'est-ce qu'il a fait, l'autant un an. Il est resté un an. Je sais ouais, pas. Un ça, an. C'est juste un an. Il a marqué un but contre Nantes. C'est vrai. De ce joueur. Exactement. Je sais pas. Très belle tête. Plus il est venu, il était cramé. Et on l'a relancé. Il fait une bonne saison chez nous. Pas magique, mais il fait une bonne saison chez on nous. L'envoie à Winston, on l'envoie à Wigan. À Wigan, ouais. Il part. Qui a complètement disparu d'ailleurs. Et après, ouais effectivement. Mais c'est une question de ressenti. Effectivement, je dis pas que j'ai raison. Hein. C'était juste un ressenti. Eh bien, tu sens mal, sache-le. Et je sens mal. sur ce coup-là, peut-être. Effectivement, sur ce coup-là. Merde. Et la dernière, Romain, plutôt palais ou pétanque ? Ben, moi, pétanque. Moi, je viens du Finistère. Il n'y a pas de palais là-bas. Ouais. J'ai pas été élevé avec le palais. Ah ouais, c'est tous les Bretons d'accord. jouent au palais. Pour moi, le palais était vraiment breton et la pétanque plus du. Encore un truc que j'ai mal senti. Le palais vient du pays gallo. Pour les puristes. C'est voilà. le 35, ouais. Effectivement, les Galao. Les Galao. C'est bien. C'est bien. En tout cas, moi, j'ai eu la réponse de Romain qui était plus Thomas, donc ça me. C'était cool. Ça me va. C'était cool. Ça me va. J'ai gagné ma semaine. C'est bien. Merci Romain. Avec plaisir. Je pense que de toute façon, on va pouvoir vous libérer maintenant. Ouais. Merci. On va pas vous garder merci non plus toute continue. La soirée. On est ravis vraiment de vous avoir merci reçu. En tout cas. Ouais. Avec plaisir. D'avoir merci joué à le vous. Jeu. C'est d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Merci et à très bientôt. Et puis Daniel, on se retrouve tout à l'heure autour de la table de poker. Je serai là. Si je 3 bêtes, fais très attention. Bon, David. Ouais. Bah nous, on va rester tous les deux. Qu'est-ce que tu as vu comme match aujourd'hui, mon David? Pierre a déjà parlé des matchs qui sont passés. Ouais, mais toi, moi j'en ai pas vu. Aujourd'hui j'en ai pas vu. Tu n'en as pas vu. J'en ai pas. Quelle honnêteté, ce David, c'est incroyable. En revanche, je pense qu'on peut. Tu veux que je te fasse une interview à la volée? Tu es plutôt Thomas ou David? Tu peux me faire une interview à la volée si tu veux. Tu peux me faire ton interview à la volée, hein, y a pas de souci. Non, non, je sais que tu vas te choisir toi-même, tellement non, tu es mégalo. Pas là-dessus, pas par rapport à ça. Est-ce qu'on rendrait pas l'antenne ah oui à ce moment-là? Moi, je suis venu juste pour poser les questions. Non, mais on enchaînerait bien sur un petit RTS, ouais. A priori. Est-ce qu'on peut pas enchaîner sur un Roisin Talk Show, un petit Roisin Talk Show improvisé? Ça fera très plaisir. Et moi, je donne rendez-vous à tous les fans de tennis à partir de demain matin pour notre émission de demain, oui. Dans laquelle Pierre vous débriefera la night session et vous présentera les matchs de la journée. Les matchs à venir. Ouais, vous avez parlé des matchs de la night session de ce soir. Maxime Crécy contre Corentin Moutet. Il en a pas parlé effectivement. Il en a pas parlé. Et le deuxième match. Il en a parlé vite fait. On en a parlé rapidement. D'accord. On en a parlé rapidement, mais pas plus que ça. On les débriefe le lendemain, donc il les annonce, on les parle. Ouais. Bon, bah, moi je les annonce quand même. Tu les annonces. Et le deuxième match, Zizou Bergs, notre ami Zizou, hein, contre Bellucci, un petit Italien. Et le retour. Et le retour de Pierrot. Et le retour. Voilà, du meilleur d'entre nous. Bravo mon Pierre. Il va nous parler de tennis. J'ai annoncé la night session, les matchs de la night session, Pierre. Ah, ça filme là. Excellent. Elle était très bien. Faut que tu démutes. Ah. Daniel a muté, on lui avait dit de muter, il a muté. Non, voilà. Mais c'est un pro, Daniel. Attends. Du coup, on va refaire le démarrage, non? Bien sûr, on refait là. Ah, ça filme là. Bon, non, la night session de ce soir, elle est magnifique. Ouais. Mais du coup, ça va plus être à 19h, effectivement, parce que là, il y a le troisième set en cours entre le match entre Escoffier et Martineau, ouais. Qui est un très bon match. Honnêtement, je vous invite à regarder le match, à vous rendre sur place plutôt que d'aller boire des bières, parce que ça vaut vraiment le coup de le voir. C'est vraiment très sympa. Après, on aura du coup Lucas Pouille. Ouais. Lucas Pouille contre Titouan Droguet. C'est vraiment une très belle affiche. Titon qui est en forme, hein, puisqu'il avait fait un très très bon match contre Lorenzo Musetti à l'US Open au premier tour. C'était un match de dingue, 5-7 avec une énorme ambiance. Et il jouera contre Lucas Pouille, bah, qui a une très belle victoire aussi au premier tour, hein, qui a battu Constant Lestienne, joueur en forme, qui fait une belle saison. Donc vraiment, regardez ce match, ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est un match entre Français. Alors parfois, les matchs entre Français peuvent être un peu déceptifs. Parce que voilà, souvent les joueurs ils se connaissent par cœur. Ouais. Ils s'entraînent ensemble toute l'année au centre national d'entraînement. Ils se côtoient sur les tournois. Voilà, ils font sparring entre eux. Mais là, c'est vraiment une belle affiche parce que il y a quand même une différence d'âge entre les deux aussi. Voilà, Lucas Pouille, joueur d'expérience qui a une super carrière, vainqueur de la Coupe Davis. Il a fait des très beaux parcours aussi en Grand Chelem. D'ailleurs, j'en profite. Regardez le jeu des cartes sur YouTube. Ouais. Et on a eu le plaisir
d'avoir Lucas. Sur la chaîne YouTube L'Instant Tennis. Voilà, c'est ça. On a eu le plaisir d'avoir Lucas. Et du coup, elle sera diffusée un petit peu plus tard, cette vidéo. Dans la soirée ? Dans la soirée ou peut-être même demain, on ne sait pas encore parce qu'on en a beaucoup. Et actuellement, vous pouvez visualiser celle avec Grégoire Barrère et celle avec Benjamin Bonzi. Voilà. Et il y en aura d'autres tout au long du tournoi. C'est vraiment une rubrique sympa qu'on a mis en place tous ensemble. Et si vous aimez les vidéos, on s'abonne à la chaîne, Pierre. Un petit pouce bleu, petit commentaire. Alors, l'Instant Tennis sur Insta, l'Instant Tennis sur YouTube. Voilà, l'idée, c'est de vous montrer un maximum de choses, de faire des lives, de passer du bon temps ensemble. Ouais, et puis il y a tout le côté inside que c'est tu ça, fais vivre. Inside, effectivement. Là, j'ai la chance d'être sur le tournoi de Rennes, qui est vraiment un très, très bel événement. C'est la troisième année avec vous, donc c'est un grand plaisir. Et trois effectivement, ans, tu il se passe supportes, plein de Pierre. Choses. Ouais. Ah, c'est magnifique. Il hein. est là, ton exploit. C'est magnifique. Non, mais je sais que dimanche soir, je vais pleurer parce que je vais être triste. Quoi. Mais tu seras fatigué aussi, Pierre. Il y a tellement d'adrénaline. On sait qu'on t'use petit à petit. En plus, là, on est... Ah non, toi, il faudrait que tu sois en jogging la prochaine fois, du coup. Oui, j'ai cru voir un commentaire passer tout à l'heure en mettant que c'était bizarre que les deux présentateurs avaient le même pantalon. C'est pas qu'une impression. Hein. C'est du casual chic. C'est du casual chic. Ils sont pas venus en jogging. C'est du casual chic. C'est du casual chic. Exactement. Et donc ça, c'est pour le premier match du soir. Donc honnêtement, foncez, regardez ce match. Ouais, vous allez sur le site hein, openblowren.org pour rattraper vos places là, pour la night session et même pour le match hein, de Lucas et de Titouan tout à l'heure. Parce qu'effectivement, Lucas Pouille et Titouan Droguet, c'est pas un match de la night session parce que la night session, c'est pas avant 19h. Là, ce sera bien plus tard, parce que le match n'est pas encore fini. Il y a le match de Lucas. Et vraiment, le match du jour, c'est vraiment... Franchement, il faut le voir, ce match. Maxime Crécy contre Corentin Moutet. Les cartes s'affichent à l'écran. Voilà, ça fait vraiment bateau de dire ça, et phrase de journaliste à deux balles, de dire que c'est finalement l'affiche du jour à voir. Mais c'est tellement le cas, c'est l'opposition de style parfaite. Ouais. Un joueur très grand en taille qui fait service volé ultra agressif contre Corentin Moutet, qui a plus un côté, on va dire, créateur. Voilà, il va tester plein de choses. Il peut monter à contre-temps, il peut faire des amortis, des petits chops pour casser le rythme. Il se passe toujours quelque chose avec ce genre de joueur. Honnêtement, c'est vraiment une affiche sympa. Ça peut être très accroché aussi. Alors, attention, si Maxime Crécy dans un grand soir côté service. Alors, ça peut envoyer. Hein. Effectivement, tu le dis très bien, c'est là où ça va être la capacité aussi tactique à Corentin à retourner le service de Maxime et à aussi tirer des bons passings. Voilà, on sait que parfois le joueur il tire un passing en force pour aller chercher le coup gagnant. Après, tu peux tirer un passing en deux temps, donc viser un petit peu plus les pattes, les jambes pour que tu aies une volée ou une demi-volée pas facile à remettre et derrière tu as un point relativement facile. On va dire que tu te facilites les choses. Mais oui, c'est un beau défi en tout cas. Tactiquement parlant, on peut faire confiance à Corentin Moutet, hein, qui de ce côté-là. On peut faire confiance à Corentin. En plus, il est. Je vous dis, c'est un joueur aussi qui monte beaucoup ses émotions sur le terrain. Parfois, il peut s'énerver, il peut s'encourager aussi. Donc, honnêtement, je pense que le public va apprécier. Moi, j'ai une question un peu plus légère, Pierre. 26 cm d'écart entre les deux joueurs. Au moment de se serrer la main, penses-tu que Corentin Moutet aura besoin d'une chaise pour saluer Maxime ? Non, ça devrait aller. Voilà. J'avais prévenu, on était dans la légèreté quand même. Mais très drôle. Mais très drôle. Toujours très drôle. Est-ce que tout le monde peut rigoler, s'il vous plaît ? On rajoutera des rires. Tout l'espace VIP a entendu la blague. Ils sont tous. Ouais, tout le monde est là. Il y a des mouchoirs tellement ça rigole. Là. J'entends une autre. Attendez. Non, je serai en spectacle le 12 à Marseille, le 14 à Angers. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. D'ailleurs, on va faire gagner des places. On va faire un jeu concours à la fin de la semaine. Deux places pour le one-man show de Thomas. Avec grand plaisir. Alors, mettez pas trop d'invitations, il faut que j'aille ma vie quand même. Hein. J'ai des enfants à nourrir. Hein. Et puis voilà, beaucoup. On remercie aussi une nouvelle fois le tournoi, l'organisation. Qui nous mettent dans des très bonnes dispositions. Voilà, on a ce magnifique plateau dans l'espace VIP. On arrive à avoir plein de joueurs, plein de surprises. Merci aussi à Marc Jiquel hein, qui nous aide énormément. D'ailleurs, une petite info, on aura le vainqueur de ce match-là en cours. Pour le fameux jeu des cartes. Ouais. Donc après, on aura l'occasion de faire une petite interview. Je me demandais ça. Marc Jiquel, ça lui arrive d'être de mauvaise humeur ?
Parce que depuis le début de la semaine, c'est que... écoute, pourtant il a du stress, hein. C'est un événement. Il y a beaucoup de stress, mais il est franchement, il est très sympa. Moi, j'ai déjeuné avec lui jeudi. Oui, la semaine dernière. Au tennis club de Paris, là où il travaille, et franchement. C'est un gars, c'est un gars agréable. Bien, c'est ce genre de personnes. Tu vois, ils ont été joueurs de haut niveau. Ils connaissent le très haut niveau. Marc Jiquel, il a joué plusieurs fois contre Federer, mais ça reste des gens. Simple, accessible et, ouais. Et qui discute avec toi, tu vois. Il reste effectivement très humain, très accessible. C'est la personne qui va venir te dire bonjour spontanément. Exactement. Tu sens qu'il se force pas. C'est quelqu'un de très agréable et ça fait super plaisir. Et on salue Arnaud Di Pasquale qui est exactement, exactement comme, comme Marc Jiquel. Mais globalement, de toute façon, dans le tennis, j'ai l'impression que les joueurs sont quand même plutôt. Ceux qu'on voit ici, en tout cas ceux qui viennent à Rennes, globalement, sont plutôt agréables. Tu es plutôt Marc Jiquel ou Arnaud Di Pasquale Moi, je serais plutôt Marc Jiquel avec qui j'ai plus échangé, qu'on avait rencontré déjà il y a deux ans. Ou l'année dernière, ou il y a deux l'année ans l'année dernière, ouais, bah, il y a deux ans. Il y a deux ans et l'année dernière. Et qui avait été déjà super agréable. C'est vraiment quelqu'un de. Tu penses à une soirée en particulier, David? Je pense à des soirées en général avec Marc. David a des soirées jogging, non? Un peu. Plutôt soirée jogging non, mais... avec Marc Jiquel ou avec Pierre. Arnaud Di Pasquale, j'ai beaucoup moins parlé avec lui. Par contre, Marc Jiquel, très très sympa, effectivement. Et je te rejoins là-dessus, tu le vois, il a la banane tout le temps. Ouais, quelqu'un de très. Ça fait plaisir à voir. Et il se prête au jeu à chaque fois. Hein, dès qu'on lui demande, vous voyez, sur le générique, il y était. Il est sur le générique. Marc. On n'a pas besoin d'insister. On lui demande une fois. Dès qu'il peut, il dit oui. Et c'est pareil, il avait fait très gentiment aussi quand j'avais déjeuné avec Marc. La petite vidéo là, pour se donner rendez-vous sur cette semaine. Ouais. En plus, tu m'as dit, il m'a invité, c'est cool, c'est lui qui a payé. Voilà. C'était surtout ça que tu avais retenu. Tu nous avais dit ça, Pierre. Après, il avait demandé deux factures, tu avais dit aussi. Bon, alors attention. Tant pis, on avait fait un restaurant 3 étoiles. Hein. D'où la double facturation. Donc, 3 étoiles, menu gastronomique, c'est menu en 10 temps avec plein de plats. Donc, en plus de toutes ses qualités, il est généreux. Ça, exactement. Ce qui ne gâche rien. Bon, on va essayer de lui trouver un défaut avant la fin de la semaine à Marc Jiquel quand même. On va essayer. Et d'ailleurs, j'ai hâte de vous défier au ping-pong aussi, hein, les gars. Là. Bien sûr. Alors, bien sûr. On rigole. Deux, David et moi. On rigole, mais il y a des tables de ping-pong qui nous attendent en bas. Donc, Oui. Oui, alors j'ai demandé à ce qu'il y rentre hein, quand même avant que. On a réussi à se débrouiller pour qu'il n'y en ait plus. Tu vas pas pouvoir nous mettre notre raclée comme l'année. Et on est en Bretagne, on a commandé la pluie. Vous êtes Pierre. Témoins. Ils sont pas joueurs. On a de l'orgueil surtout. Après, vous pouvez me battre au palais, à la pétanque. Oui, c'est ce que j'allais dire. On se fait un match. On se fait d'abord un match de ping-pong et après un petit match de palais. Mais d'ailleurs, vous vous souvenez de l'année dernière sur ce même plateau, on avait fait un mini ping-pong avec Marc et Marc m'avait battu. Non, tu avais laissé gagner Marc, tu nous as dit après. Marc m'avait battu. Il est bien élevé, Pierre. Et on retrouvera Marc à soirée poker ce soir et demain, d'ailleurs, à l'Open. Si vous voulez venir passer venir nous voir, vous inscrire, ce sera avec grand plaisir. Et là, tu vas laisser gagner personne, par contre. Non, là, il n'y a plus de sentiments, évidemment. Même Daniel. Et là, honnêtement, là, c'est le genre de soirée parfaite qu'on aime. Du très beau tennis à voir, très beau public. Le village de l'Open qui est très agréable, où on peut se restaurer, où on peut prendre un petit apéro. Il y aura aussi le match de rugby, il y aura de la pétanque. Oui, enfin, il y aura... oui, c'est vrai que vous avez un écran géant dans le village de l'Open. Donc même en prenant une petite pause, vous pouvez toujours assister aux matchs qui ont lieu à l'intérieur. Et là, il y aura ce soir effectivement le match de rugby qui sera diffusé. On a une météo également qui est quand même parfaite sur l'ensemble de la semaine. Mais là, en fait, on n'est pas à Rennes, on est aux Seychelles. Hein. Mais c'est comme ça toute l'année, contrairement à ce que pensent les gens. Mais c'est une légende de partir. Nous, on fait perdurer cette légende pour éviter d'avoir trop de Parisiens. On a quand même Pierre et Daniel la même journée. Ça fait beaucoup. Et Marc, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, on a pris les meilleurs. Vous avez pris les plus sympas. Mais bien sûr. On les réinvite tous les ans. Donc c'est que forcément, ça se passe bien. Bah écoutez, est où là maintenant? On a fait. Moi je propose qu'on fasse un petit point score, Matteo Martino, Antoine Escoffier. Tout à fait, on est à 2 partout. Ça va être loin, hein. Ça va être un sacré combat. Hein. Ouais. C'est déjà un sacré combat. Donc ça risque de durer encore. Et c'est vraiment Matteo Martino. 32 matchs. Matteo Martino qui a un magnifique revers à une main, pour ceux qui aiment le revers à une main. Antoine Escoffier qui sait faire plein de choses, qui il aime bien monter à la volée, faire des petites volées à contre-temps. Beaucoup de hargne aussi, il avait battu Quentin Alice au tour précédent. Non, c'est...
On sera d'ailleurs très probablement, en tout cas pour le moment, sur le match le plus long de cette semaine. C'est la question que j'allais te poser, Pierre. Le match le plus long, est-ce que tu sais je pense que c'est celui-là, ouais. C'est celui-là pour l'instant. Déjà, ouais. Déjà ouais. Maintenant ou... Oui, parce qu'en plus, c'est pas fini, là. Deux partout. Deux partout, ouais. Après, sauf si ça défile, il peut rester... S'il peut rester encore 10 minutes, quand même pas, mais un quart d'heure, 20 minutes, comme il peut rester encore 40 minutes si ça se finit au tie-break. Puis c'est pareil, si des jeux, ça fait 40 ans, avantage, égalité. Bien sûr, ça peut durer super longtemps. Ouais. Ça super peut durer très longtemps. On a quoi. Vu hier le match de Koulibaly, de notre ami Koulibaly. Les premiers jeux ont été super longs. Hein. Ouais. Les premiers jeux, c'était plus d'un quart d'heure le jeu. Eliakim Koulibaly, grand espoir du tennis africain. Ouais. Qui malheureusement là, n'a pas pu être encore repêché. Non, ah bah non, là c'est. Parce que... Non, il y a un moment donné, on lui a dit stop. Parce que c'est quand même. Il revient, jusqu'en finale, tu peux être repêché. Tu perds tous tes matchs. Bon, allez, on va te reprendre. Il faut blesser tous les autres aussi. Hein. Il a eu des problèmes, Eliakim. C'est la console. Non, de toute façon, on va pas tarder à conclure. Hein, parce que pourtant, on est bien ensemble. Mais on rappelle que demain matin, vous retrouverez ces deux belles personnes pour toujours l'émission du matin. Hein. Toujours notre édition du matin, donc toujours au cœur de l'espace VIP. Pour, comme je te disais tout à l'heure, un débrief des matchs qui n'ont pas encore eu lieu, donc qu'on n'a pas pu vous débriefer. Et en même temps, le match de Lucas Pouille. C'est ça, ces matchs-là, et une présentation des matchs de la journée. Et d'ailleurs, petite question, parce qu'on est en direct, est-ce que la prog de demain est sortie ou pas encore? Alors, demain matin, on a Albot contre Barère. À 11h? Ouais. Et suivi de... On s'affiche Richard Gasquet contre Benjamin Bonzi. Voilà. Ah, c'est pas en Night Session du coup? Pour l'instant, c'est déclaré comme ça. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des chances qu'il soit décalé. Parce que là, mais déjà, si on a encore 30 secondes, on peut parler de ces deux très beaux matchs. Juste en petit préambule, Albot Barrère, c'est une sacrée affiche. Comme on l'a dit tout à l'heure, Albot, il a été 39e joueur mondial. Et tu sens que quand tu le vois jouer, bah voilà, il a fait partie longtemps du top 50. Donc, il a cette expérience, Grégoire fait une super saison, sacré match, les échanges risquent d'être assez longs, ça va taper fort, il faut regarder ce match. Moi je, ouais. je prends le risque, je vous l'annonçais tout à l'heure, pour moi la finale ça va être Gasquet-Barrère, parce que le tableau le permet normalement, ouais. Le tableau permet le tableau cette finale. Alors, ouais, ce serait possible. C'est ce que je vois moi avec ma petite analyse. Non, mais c'est moi j'ai dit Bonzi Barrère. Et toi tu vois Bonzi qui élimine Gasquet. En fait, on a la même selon le vainqueur de demain, on a la même. Et je vais être méchant, je souhaite à Benjamin Bonzi de perdre en finale. Parce qu'il y a, c'était quoi, il y a 2 ans qu'il a gagné, Benjamin. Il nous avait trop chambré, Benjamin. Et il nous avait signé notre balle, je me suis rappelé de ça, il avait signé la balle qu'on faisait signer à tous nos invités d'un aller l'OM qui m'est resté en travers de la gorge. Alors, Benjamin, on a de la mémoire. Non, on l'adore, Benjamin. Benjamin. Franchement, si on a une finale Bonzi Barrère, très honnêtement, quel que soit le vainqueur, on sera heureux. Et Benjamin, en plus, vraiment très très sympa. Il fait toujours le job. Il accorde toujours les minutes qu'il faut aux interviews. N'hésitez pas à aller regarder. Elle a été tournée ici d'ailleurs, le jeu des cartes. Ouais. C'était le premier joueur du coup qui a fait ce petit jeu. Et il s'était prêté au jeu avec plaisir, très souriant. C'est vrai qu'il y a, super sympa. Il y a 2 ans, il avait été adorable. Il nous avait bien chambré sur la rivalité Marseille-Rennes, sur le foot, mais super agréable et vraiment un super type. Il s'était montré hyper dispo directement après sa finale. Ouais. Il était venu nous rejoindre en plateau. Il y avait son entraîneur. Nous chambrer un petit peu. Mais son entraîneur, adorable entraîneur aussi. Ouais, ouais. Non, c'était vraiment, des bons souvenirs pour nous. À part la défaite de Rennes. De toute façon, on passe que des bons moments ici. De toute façon, on a tendance à passer de très bons moments. C'est toujours très sympa. Et bah du coup, on va vous retrouver dès demain matin pour un très très bon moment. Et bah voilà, et puis bonne soirée à toutes et à tous. Profitez bien des matchs, des affiches. Amusez-vous bien et puis on se retrouve demain. Et n'hésitez pas à regarder tout ce qui est posté continuellement sur la page Facebook de l'Open Blue Rennes. À vous refaire le replay du live si vous voulez. Et puis à profiter du tennis. Bah, je pense que c'est un bon mot pour conclure. Profitez du tennis. C'était parfait. Profitez de la vie, profitez du tennis. Exactement. C'est une belle conclusion. C'est beau. Allez, on vous dit à demain, merci. À demain, ciao, ciao. Ciao.